Zombies, sorcières et autres vampires, cette émission spéciale Halloween est faite pour vous, car nous avons décidé de vous faire Alors, pour l'instant, très beau match dans le studio du GULive avec une belle égalité entre nos deux équipes. Une manche partout, 5 secondes supplémentaires au compteur pour les deux équipes. Deux équipes au top. Bon, est-ce que vous avez peur? Non. Pas de moi, mais est-ce que vous avez des peurs, des phobies? Marilo? Les pieds. T'as peur des pieds? Oui. Pourquoi, tu trouves ça moche? C'est une phobie... Non mais c'est vrai qu'il y a des pieds franchement qui sont vraiment vilains quoi. Ryan? Un peu les grosses araignées. Ah j'avoue. Non mais ouais. Des araignées velues là. Bah bon, je m'enflamme, excusez-moi. Hector? Moi non, ça va. En vrai non, franchement, tranquille. T'as peur de rien? Bah je sais pas. Fais trop le mec. Trop le mec, ouais. Ah pas du tout hein. Aucune peur? On verra. Même tes pieds te font pas peur? Ah non. Amy? Les pieds trop bizarres. Bah en fait, tous les trucs qui piquent. Les araignées là comme ça qui grimpent dans ton lit, oh, qui viennent te manger. Ah, toi aussi, t'as les mêmes. Ah, ver... Bon, je vous propose une manche où il va falloir que vous preniez sur vous, car nous vous avons préparé un What in the Box spécial Halloween. Vous avez vu cette petite boîte? Chaque équipe va passer, il y aura 30 secondes pour mettre les mains à l'intérieur. Il y a trois choses étranges que nous avons mis à l'intérieur. 30 secondes d'exploration, puis vous écrirez sur votre tablette, d'après vous, quelles sont les choses horribles qui se trouvent à l'intérieur. 30 secondes pour les oranges, puis 30 secondes pour les bleus. Vous êtes prêts? Prêts. Ouais. Les oranges, mettez-vous en place derrière cette horrible boîte. Je veux pas. Vous êtes prêts? On est prêts. Allez, 30 secondes d'exploration, top chrono, c'est parti. Alors, il faut mettre les mains dans c'est cette boîte. Moi aussi. Ah, c'est quoi ce truc? Oh non! Ok, c'est bon, je sais que c'est un truc d'écoute. C'est horrible. Ce qu'il y a à l'intérieur est absolument horrible. Bon. Vous le savez, vous êtes complices à la maison. Plus que 10 secondes. Non, d'accord. Attends, ça, je suis pas sûre. 3, 2, 1... Et top chrono, surtout, ne montrez pas aux autres ce que vous êtes en train d'écrire. Les bleus, ça va? Ouais, toujours, ouais. Eh, vous avez vu, c'était un petit peu en panique, hein. C'est un petit peu sursauté, hein. Allez, les bleus, mettez-vous en place derrière la boîte. Faites du bruit pour les bleus. Les bleus, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Pour 30 secondes d'exploration, top chrono, c'est parti. 30 secondes pour découvrir quelles sont les trois choses étranges que nous avons mis dans cette boîte. Les oranges ont l'air sourds d'eux. Ah ouais. Hector qui n'est pas bien. Moi, je sens qu'Hector est pas bien. Okay. Hector qui fait trop son mec, comme dirait Marilou. Attends, attends, allez, encore quelques secondes. Allez, Amy. Attention, Amy. Tu m'avais peur. Mais attends, c'est un truc gluant, hein. 3, 2, 1, et top! Retournez derrière votre pupitre sous les applaudissements, forcément, de notre public de monstres. Et vous pouvez écrire quelles sont, d'après vous, les trois choses horribles qui se cachent dans cette boîte. Alors, les oranges et les bleus à mon top, vous retournez vos plaquettes. 3, 2, 1, et top! Il y a peut-être des fautes, mais c'est pas grave. Alors, du côté des oranges, nous avons l'araignée en plastique. Et du côté des bleus, nous avons l'araignée. Du côté des oranges, il y a les doigts en plastique. Du côté des bleus, les faux doigts. Et enfin, du côté des oranges, poulpe, calamar. Du côté des bleus, calamar. Mais c'est parce que c'est des synonymes. Non, c'est non, des synonymes. Ça n'a rien à voir, on va chercher. Ça a à voir. Vous devez choisir maintenant les oranges entre poulpe et calamar. Ils ont choisi le calamar. Alors, pour l'araignée en plastique, c'est une bonne réponse. Pour les faux doigts, c'est une bonne réponse. Ouais. Et enfin, pour le calamar, roulement de tambour. C'est une mauvaise réponse. C'est un poulpe. Ah. C'était le poulpe. Oh. Hey, Léon. Ouais. C'est donc une mauvaise réponse pour les deux équipes. Les oranges, vous êtes passés à ça de la victoire. C'est donc une égalité. Vous avez donc gagné les bleus et les oranges. 10 secondes supplémentaires pour tout à l'heure. Et une biosphère. Bon, en tous les cas, magnifique manche. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Ouais.
maintenant qui ira en finale affronter le terrible grenier du Gulheim. La réponse tout à l'heure pour le face-à-face, la demi-finale. Mais juste avant, je vous propose de découvrir un épisode d'Inazuma Eleven Ares. Ouais, je jongle, ouais. À tout à l'heure.